Quelle émotion. Quelle émotion, Line Renaud et Dany Boon, de vous avoir tous les deux pour ce merveilleux film, Une belle course de Christian Carion, présenté en avant-première au Festival du film francophone d'Angoulême, en partenariat avec TV5 Monde. Mais Line, quelle émotion quand le public s'est levé, il ne pouvait plus se rasseoir pour vous acclamer à l'avant-première. J'étais très, très, très bouleversée par ça. C'était chaud au cœur. C'était la même chose pour toi, mon Dany. J'étais très ému aussi, de te voir ému. Mais j'étais ému. Mais non, mais déjà, quand j'ai vu, déjà de tourner avec Line, c'était très. Il y avait des scènes qu'on a tournées, on était bouleversés. Quand on a la scène où on arrive dans la rue le soir, là, on arrive dans la rue. Dans la rue où tu veux me déposer. Ouais, où je dois te déposer. Ouais, c'est très. C'était. On était bouleversés. Ouais. Line, mais c'est vrai que vous avez pleuré pendant tout le film? Pas pendant tout le film, mais dans beaucoup de moments du film. J'étais émue par ce qui se passait. Ça s'approche tellement des choses de la vie. Et donc, il y a de quoi être bouleversé. Mais il y a de quoi rire aussi, parce que lui, il y est pour quelque chose quand on rit. C'est un sacré chauffeur de taxi. Hein, oui, oui. Et alors, c'est la traversée de la vie, une traversée de Paris. Ce personnage que vous interprétez, Line, et qui va peut-être vers ce qui serait sa dernière vie, dans une maison, oui. Et qui veut revoir tout ça. Et cet homme-là va changer sa vie et vous allez changer la sienne. Regardez, c'est une belle course. Ça fait 30 ans que j'ai pas fumé, mais aujourd'hui, c'est spécial. Vous savez ce que mon père me disait? Chaque colère est un coup de vieux. Chaque sourire est un coup de jeune. Je veux que vous sachiez que ce voyage en taxi avec vous a été une belle course. On a vu ces images, Line. Traversée comme ça de ce personnage et qui va avec ce chauffeur de taxi là qui est un peu paumé, un râleur. Il est sombre. Oui. Mon personnage est sombre et en fait Line va nettoyer son âme en fait. C'est un peu ça. Ça c'est beau ça. Merci ma chérie. Tu le gardes. D'accord, d'accord. Mais c'est vrai, il est sombre, il est très dark quoi. Et elle va le ramener à la vie en fait. Elle va le ramener à, alors qu'elle part voilà vers sa mort, elle ramène à la vie quelqu'un qui est plus du tout dans la vie et qui voit plus les choses quoi. C'est une belle, enfin c'est un voyage initiatique en fait parce que on traverse Paris d'est en ouest, le lever jusqu'au coucher du soleil. Et on va prendre des détours comme on fait dans la vie quand on la traverse et puis avec des moments forts d'émotion et on se découvre, on se rencontre. Moi j'écoute ce qu'elle dit, ce qu'elle vit, je suis fasciné et je m'ouvre grâce à son personnage de Madeleine et grâce aussi à Line parce que les deux sont très proches. Oui, oui. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Elle est incroyablement pleine de vie. Le personnage, comme Line, est incroyablement pleine de vie. C'est-à-dire qu'au fond, c'est elle qui s'en va, comme dit Dany, peut-être vers sa mort. Mais en fait, c'est elle qui lui transmet de la vie et de la force. Ouais. C'est ma nature. Ma nature est plutôt joyeuse. Et donc, ça passe à l'écran aussi. C'est pour ça que c'est pas dramatique pour elle. En tout cas, elle ne le montre pas. C'est son dernier bout de chemin qu'elle va faire. Elle a la chance de tomber sur un taxi qui est fasciné par son histoire et qui la lui fait raconter encore et encore et encore. Ouais. Et peut-être qu'elle va lui dire, tiens, on va prendre des chemins de traverse, on va pas y aller en ligne droite. Hein. Oui, oui, pour être encore un peu plus. Et si on désobéissait, hein, elle est jolie cette scène d'ailleurs quand on appelle. Le soir, les pas qu'on appelle pour dire elle va être en retard. Madame, oui. Madeleine Keller va être en retard et qu'on dit si on allait se taper la cloche et qu'on devient, des enfants qui sèchent l'école quoi, qui séchons l'école. Oui, oui, oui. Ah, elle est coquine. Hein. Ouais. Le personnage est coquin. Hein. Capable de mentir aux flics. Hein. Capable de se tirer des situations. Hein. Oui, ça arrive dans la vie, oui. Ouais. Il vous ressemble, ce personnage, Line? Il me ressemble, oui. Ouais. C'est vrai. C'est pour ça qu'en lisant le scénario, j'ai senti ça, que... Alors, quand Dany est venu s'ajouter à ça, c'était le comble du bonheur. Ouais. Vous qui vous êtes connu, bah, il y a eu les ch'tis, et puis... Alors, la première fois, il passait, je sais, dans une salle à Paris. À l'Olympia. À l'Olympia? Oui. Et moi, vous vous êtes dit, tiens, c'est un gars du... un ch'ti. J'étais à Las Vegas, donc je jouais là-bas, et on m'annonce qu'il y a un ch'ti qui marche très bien à Paris. Il s'appelle Dany Boon et il va faire son premier Olympia. Donc de Vegas, je lui ai envoyé un télégramme. C'est un télégramme? C'est un télégramme, oui. Oui, un télégramme. Oui. Et je lui ai dit, je sais que vous allez faire l'Olympia. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout le succès du monde. Je suis fier du Nord, je suis encore plus fier depuis qu'il y a vous. Voilà. Ça fait quoi, ça, Dany, quand ça bouleverse? J'étais très touché. Évidemment, j'ai vu Line quand j'étais enfant à la fête des Gnolles à Armentières. Elle venait donner des concerts gratuits pour les Armentiérois. Quand j'ai reçu ce télégramme, je me dis, ça y est, je suis arrivé, je peux arrêter. Et vous lui avez parlé en ch'ti, non, un peu à son... Ah oui, oui, oui. Vous parlez encore en ch'ti, tous les deux? On blague, oui, oui, on blague en ch'ti. Ouais, ça arrive. Plus beaucoup, plus beaucoup. J'ai pas Dany tous les jours. Ah non, ça... Mais je parle en ch'ti avec sa mère. Ah oui, alors elle demande des nouvelles. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que quand elle n'a pas de nouvelles de Dany, elle m'en demande à moi qui n'en a pas non plus. Line m'appelle après en disant « Appelle votre mère Appelle votre mère, elle braille. Elle braille? Elle pleure. Oui. Ah oui. C'est cool. Alors, il y a quelqu'un qui a dit à l'avant-première, je crois que c'est le présentateur, il a dit quand même, vous avez été la marraine de Johnny, oui. Line, vous êtes maintenant la marraine de Dany. Oh, j'ai pas besoin. Oui, sa maman. Ah non, la maman, alors, la maman. Ah oui, ça, vraiment, c'est mon fiston. Oui. Johnny, c'était mon petit-fils. Il avait 17 ans. Et vous, ben alors, Johnny, comme lui, vous avez dit, il y a quelque chose là? Il y a un truc. C'est obligé qu'il y ait quelque chose, parce que ça ne se voyait pas beaucoup, quelqu'un qui se roule par terre en jouant de la guitare. Et donc... et plus en chantant comme Johnny chantait. Alors moi, je l'ai donc pris, j'ai accepté dans l'émission Edmé Mortimer d'être la marraine de ce jeune. J'ai jamais reçu autant de lettres d'engueulade des parents. Comment vous pouvez vous intéresser à quelqu'un qui se traîne par terre? Et des lettres enthousiastes des jeunes. Comment s'appelle-t-il? On n'a pas compris son nom. Et voilà. Alors Loulou a dit, il n'a pas créé l'indifférence. Comme lui. Oui, oui. Non plus, il n'a pas créé l'indifférence. Ah ben non. Alors, les ch'tis, vous auriez cru ça, Line? Plus grand succès du cinéma français. Ben, c'est vrai. Quand même. C'est vrai, ça. Dis-le. Oui, c'est vrai, ça. Aux Jeux Olympiques du cinéma, j'ai la médaille d'or. Il la mérite ou pas? Médaille d'or. Il mérite la médaille d'or du cinéma français. Ah oui, je suis étonné qu'il ne l'ait pas encore. Moi, j'ai pas besoin de médaille. Parce que cette amitié de tous les deux, elle transpire dans le film. Une belle course. Ça transpire, cette affection que vous avez comme ça. Alors, vous êtes derrière, hein, la place du passager arrière, et puis lui, il est devant. Il voit défiler le compteur avec l'argent qui s'additionne de la course, qui n'en finit pas. Mais il va se passer des choses merveilleuses dans l'histoire. Oui. Et comme la vie, finalement. La vie, c'est une chose... il arrive des choses comme ça. La beauté de l'amitié, d'une profonde amitié. Oui, et c'est ça qui change, ça peut changer la vie. Ah oui, ça change la vie, il y a des rencontres qui changent la vie, oui, ça c'est aussi ça. C'est une rencontre qui va changer la vie de Charles, et sans le savoir, il va offrir un moment de bonheur aussi à Madeleine. Madeleine. Et c'est l'échange, ça dit ce qui est le secret justement de la vie, du bonheur. Enfin, c'est d'avoir le souci de l'autre en fait, et d'être Et au plus on donne d'amour, au plus on en reçoit. C'est un peu ce que dit Madeleine. Madeleine lui dit, vous avez été mon dernier rayon de soleil. C'est joli. C'est joli, et alors qu'en plus c'est elle qui était très lumineuse. C'est oui. toi qui es lumineuse dans le film. Oui. Ouais. On a du mal à faire la différence entre Madeleine et Line. Tellement oui. C'est... Hier, à la présentation du film, où la salle était complètement bouleversée, debout, qui vous applaudissait tous les deux. Et Line, vous avez pris le micro, il vous avait dit « Toute ma vie, je n'ai fait que vous donner de l'amour. Et vous aimez. » Vous avez dit ça au public. J'aime les gens. J'aime passionnément les gens. Je pense que c'est pour ça qu'ils me le rendent. Oui, depuis tout, je ne peux pas vivre sans l'amour du public, sans l'amour des gens. Et voilà. Oui. Je vous avais dit aussi, j'ai eu une vie merveilleuse. Oui, j'ai eu une vie merveilleuse. Je le redis. J'ai eu, en partant de mon coron du Nord, comme toi, où la vie n'était pas merveilleuse, la vie est devenue merveilleuse et j'ai eu une vie merveilleuse. Tant d'amis, beaucoup d'amis. Oui, parce que vous avez voulu, dans vos beaux yeux bleus comme la mer, voir la vie avec du soleil, Line. Parce que vous avez eu des drames comme tout le monde. Ah, bien sûr. Mais c'est un choix d'être heureux, votre choix. Oui, c'est un choix de surmonter la douleur. La douleur, je ne pense pas à la douleur physique, mais la douleur morale, quand vous êtes blessé par la mort d'un de vos proches, vous pensez ne pas vous en remettre, mais c'est plus fort que vous. Vous avez en vous quelque chose qui fait qu'il faut se battre pour vivre, pour survivre. Oui. Et la mort chute, comme Madeleine. Elle n'en a pas peur, hein? Oui. Elle n'a pas peur de la mort. Non. Et vous non plus, Line? Non. Je ne veux pas souffrir. Ah oui, je sais. Ça, je vais dans une tribune, là, dans le journal, il y a « Je suis pour mourir dans la dignité. Je ne veux pas souffrir. Mais mourir, ça m'est égal. » Peut-être parce que j'ai 94 ans, que normalement, je ne devrais plus être vivante. Non, dis pas ça, tu plaisantes ou pas? Arrête. C'est qui citait Alphonse Allais qui aurait dit « J'ai toujours pensé que la vie était éternelle et jusqu'ici, la réalité m'a donné raison. » Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. Hein. Ah, oui. Et Raoul Ruiz, le réalisateur, il a tourné jusqu'à ses 108 ans, 107 oui. ou 108 ans. Ah. Ah oui, oui, bien sûr, c'est possible. Dis donc. Sinon, j'arrête d'écrire. Mais oui. Tu me fatigues. Arrête, hein. Ah. Bon. Merci à tous les deux. Merci. Line, non mais je veux quand même que Dany dise un mot de cet amour. Cet amour qu'est Line. Et c'est l'amour qu'on lui porte. Et que Dany Line a dans le regard le reflet de son âme et de cette lumière qu'elle dégage et de cette chaleur humaine qu'elle a en elle et de cet amour des gens. Et elle n'est que ça. Et c'est voilà. Elle démarre, je pense, avec ça. Et puis après arrive même le. Quand je regarde même comme quand ça. Même quand tu louches, ouais. Même quand tu louches, ma chérie. Et après, c'est que ce qui est magnifique, c'est toute l'humilité qu'elle a, la simplicité. Comme souvent les très grands artistes ont, l'ego est au bon endroit. Ouais. Et c'est, elle donne énormément à beaucoup. Et les gens ne sont pas dupes de ça. Ils sentent ça. Ouais. Le public sent ça depuis toujours. C'est pour ça qu'elle est là depuis longtemps et encore pour longtemps. Ouais. N'est-ce pas, Line? D'accord, voilà. D'accord. Merci, ma petite folie. Merci, merci. On vous aime. Merci. Et vous êtes une merveilleuse comédienne. Vous le montrez encore une fois dans une belle course de Christian Carion avec cette... Oui, non, mais ton personnage est magnifique, Lynn. C'est toi, c'est ton histoire. Oui, oui, je te donne la réplique. Oui, oui, je conduis bien la voiture. Je mets le clignotant quand ils font tourner. Je tiens le volant à 10h10. Je regarde un peu dans le rétro. Oui, j'aime ça. Je suis très ému. J'aime bien quand je te regarde dans le rétro. Hein. T'aimes bien ça. Quand il me regarde dans le rétroviseur, j'adore. Mais oui, on va continuer. On fera ça la nuit prochaine. On va ramener un rétro dans la chambre. À l'année prochaine. Merci. Allez, la petite folie. Tiens, j'ai envie d'entendre cette chanson. On se quitte là-dessus. Lynn et Dany. Merci à tous les deux pour ce cadeau. Merci. Merci. Mais je t'aime à la folie. La la.